SOS est un service qui est destiné aux citoyens pour les faire participer à la gestion sécuritaire de leur ville. Il est constitué de deux parties, côté citoyen et côté service de la ville. L'application SOS destinée aux citoyens, en plus de lui permettre de faire un appel classique au secours, lui propose une liste d'événements qu'il trouvera au niveau de son application. Le citoyen choisit la nature de l'événement constaté, sélectionne l'événement constaté, le système positionne le citoyen et envoie la requête directement au service de la ville. Une fois terminé, le SOS est envoyé et celui-ci est acheminé au service de la ville et est instantanément visualisé sur le système de la ville. Le système peut prendre une photo de l'événement constaté à travers sa caméra. Et envoie instantanément la photo au centre de secours. Une fois la photo prise, celle-ci est acheminée directement au centre de surveillance de la ville et les éléments de la surveillance de la ville, en cliquant sur l'icône, peuvent donc visualiser la photo envoyée. Les éléments de la sécurité de la ville à travers le système d'information géographique peuvent créer de nouveaux repères. Il s'agit d'un lycée par exemple. Et l'opération de repérage donc permet de faire des repérages personnalisés, style repérage de la mairie, commissariat, lycée, etc. Et à partir de ce moment, le système est personnalisable à volonté. À terme, lorsque le système s'enrichit, les éléments de la sécurité de la ville peuvent exploiter bien sûr la base de données pour tirer toutes statistiques utiles concernant tous les événements constatés au niveau de leur ville. Merci.